Bonsoir tout le monde, son plaisir encore une fois pour nous sur la plateforme Gibou Radio. J'aime toujours dire un pile de monde passé sur plateau ça depuis son bagage qui a ouais à la culture haïtienne de manière générale. Nous recevons mon ça dans l'émission nous et pour asseoir nous un jeune garçon que nous allons recevoir, monsieur âgé seulement de 24 ans qui et fait des études au niveau de l'Université d'État d'Haïti dans plusieurs domaines. Les Bralguin, pour le nous plus de détails sur ça, monsieur Kenley Jean-Baptiste, monsieur qui a seulement 24 ans, et monsieur vient présenter nous un livre à ce soir dans l'émission. Ça, c'est le premier livre, c'est 7 secrets pour passer de zéro à héros. Donc, nous Bralguin pour nous découvrir quelques de ces secrets avec Kenley Jean-Baptiste à cette émission ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bonsoir Kenley Jean-Baptiste, ton plaisir pour nous gagner, comment est-ce? Bonsoir Guigui, donc son plaisir pour me participer dans l'émission Azwea, qui te salue internet, qui te salue, bon, la grande plateforme n'est pas tout simplement de l'audition, c'est le virtuel aussi, donc je pense que auditoire là et les amis internet pour le gagner pour découvrir Kenley Jean-Baptiste et de plus et en rapport avec mon livre 7 sucres pour passer de zéro à zéro, parce que nous allons parler de livre-là et puis de 20 signatures que nous allons faire le 22 août. Et c'est à El Rancho. Et son plaisir. Son plaisir. Kenley Jean-Baptiste, né le 27 novembre 1995 à Jean Rambel, dans le département du Nord-Ouest, donc au Sénégal Nord-Ouest, même j'ai avec moi. Kenley Jean-Baptiste a bouclé ses études en philosophie, sciences politiques et juridiques au sein de l'Université d'État d'Haïti. Après un brillant passage au Collège Notre-Dame de Lourdes, monsieur, suive-moi, à Port-de-Paix. Et il est l'une des fiertés de ce collège suite à son beau parcours académique et a même fait partie de lauréat au concours d'admission de l'IRA de l'Université d'État d'Haïti, ce qui lui a valu dans sa ville de nombreuses marques de considération. Nèg Jean Rambel, intelligent au Sénèque Nord-Ouest, notamment dans la commune Jean Rambel. Ouais. Et Kenley, parlez un peu de l'enfance ou comment. Bon, en fait, dans la commune Jean Rambel et particulièrement à Dubois, donc son habitation dans la première section communale de Jean Rambel, qui est la Coma. Mm-hmm. Donc, moi, je fais enfance là, donc moi, je fais études primaires moi là. Donc, après études primaires, je suis allé au Collège Jean de Lourdes, Port-de-Paix. Mm-hmm. Et puis, c'est là que je suis connu comme poète, comme monde qui connaît écrit, comme jeune qui a brillé de mille feux dans le secteur ça. Mm-hmm. Et moi, j'ai commencé à faire poésie et moi, j'ai très calé dans la dissertation. Mm-hmm. Et de là, je me suis dit ouais, que tout ça que je m'a pas aspiré pour m'y aller, il faut que j'ai un rapport avec les lettres. La lettre, donc, je ne vais pas dire que son orientation professionnelle que je jeune qui fait que je me suis franchi. Mais c'est justement, c'est l'identification justement des potentialités. Mm-hmm. Et puis, justement, ça permet à ce que vous suivez un itinéraire qui va bénéfique à vous-même. Donc, très bien. Après études secondaires, et puis me venir pour au point, c'est ma princesse politique. Vous faites toutes études de classique ou n'importe. Et Jean Rambel, Port de Paix. Donc, vous finissez au collège Jean Rambel. Vous finissez Paix. Ok. Yes. Ouais. Donc, après, je suis venu à l'université, ma princesse politique, philosophie et puis sciences juridiques. Donc, pourquoi c'est toi, c'est mamie pas très aimé sciences politiques. Okay. Donc, vous faites l'aime commencer, même si je suis de l'Oréal, de ma pantria. Pour lui, même dans le concours d'entrée, il a dit que ça va signifier rien pour lui. Donc, je me recherche, je me dis, qu'est-ce que ça me t'a fait encore? Et puis, maintenant, c'est juridique. Donc, c'est par rapport avec on vide qui n'a pas, parce que le développement médecin, et puis qui fait que chaque formation, je viens d'aller, pour me faire voir que si on va essayer, je m'apprécie pas tout le monde. Donc, c'est une raison qui fait que. Moi j'ai appris et sciences politiques et philosophie et sciences juridiques. J'en parlais là, moi j'ai toujours rencontré des collèges là tout. Mm-hmm. Et moi j'ai rencontré des nègres vraiment intelligents qui sont dans Jean Rambel. Mm-hmm. Donc ou font brillant parcours dans le collège de l'homme de l'autre. Vous n'avez pas nègres qui ou qu'on en est qui dans dispensé ou là. Oui, oui, oui. Hein? Yes. Ou toujours dispensé. À quel âge vous finissez, Gabriel? À 18 ans. 18 ans. À 18 ans, et puis moi, entrer au Port-au-Prince. Entrer au Port-au-Prince. Ouais, intéressant. Mm. Et si je regarde là, je me considère comme un génie, quoi. Où on est entré au Port-au-Prince pour venir lauréat. Ce n'est que Port-au-Prince là. Bon, pas de Port-au-Prince, non, mais il y a plusieurs personnes qui sont de tous côtés dans le pays.
Vous comprenez ça, Mabdou là? Il y a des gens qui te disent ça, oui. Parce que nous avons un groupe qui est perfect, et KP Allen dans Philo, il avait dit nèg qui parle français, nèg qui propose fort. Et puis quand il est là, il dit quel est où propose qu'on parle français? Là, il veut votre presse. Il faut dire votre presse, là, qu'on français, votre presse, qu'on français, votre presse. Où propose qu'on parle français? Là, il veut votre presse, qu'on fasse avec Goulou. Ouais. Yeah, yeah. Alors, je veux dire, vous êtes formateur en leadership pour participer au Glem dans le séminaire et sous finance et pour, avec des instances internationales. Donc, malgré études universitaires, ou toujours à pas avancer pour meubler l'esprit. À. Oui, donc c'est une obligation qui est liée. Lui-même, dans le quotidien, oui. Mm-hmm. Donc, c'est un devoir pour perfectionner tout. Mm-hmm. Okay? Et donc, moi, pour formation sur leadership et entrepreneuriat, notamment avec OIF et puis justement Agent pour Changement. Donc, son, mm-hmm. son organisation internationale qui avait volé aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, justement, c'est y a une bagaille qui fait que moi, j'ai une occasion comme jeune mm-hmm. pour moi faire tourner national sur leadership et entrepreneuriat. Mm-hmm. Donc, avec Fondation Jean-Baptiste, qui sont structures que nous mettons sous pied, et puis nous avons lancé en tournée depuis 2018 pour que nous rencontrions jeunes dans divers départements. Et à l'aide de rencontres avec Genio, nous venons non seulement approprier nous un discours qui m'a rendu avec sens de créativité, mais tout identifier l'engouement que Genio gagne pour que vous connaissiez qui route pour prendre, non seulement pour identifier valeur, mm-hmm. pour identifier potentialité, mais justement pour être capable de joindre des gens qui font succès pour autant de. Parce que nous dans une société côté que les gens qui font succès, à battre poule dans l'ombre. Mm-hmm. Alors qu'il t'a doué là pour le communiquer, mm-hmm, qui mm-hmm. route l'y fait, mm-hmm. pour susciter jeunes dans font effort. Donc c'est ça que Fondation Jean-Baptiste, que nous avons dirigé, nous avons commencé depuis 2018, et c'est ça qui vient faire que nous venons le livre là. Mm-hmm. Parce que l'intérieur Cité Soleil, nous fait Sommet National sur Leadership et Entrepreneuriat à l'Oasis, et puis l'intérieur Cité Soleil. Parce que pourquoi ça c'est Cité Soleil, c'est parce que nous avons toujours une folie à la Cité Soleil. Mm-hmm. Okay, je dis c'est plus gros bidon ville pays. Besoin de jeunes. Et puis ça fait que nous faisons forum mm-hmm. pour jeunes Cité Soleil. Après forum ça, impact qui vient gagner à travers forum ça, nous voulons les jeunes gagner un engouement pour que on connaisse qui principe, qui valeur de mettre en exergue pour être capable de faire succès, pour être capable de réaliser ça ou de réaliser. Mm-hmm. Donc justement c'est ça qui vient pousser que d'ici si j'ai une possibilité pour que moi rencontre des entrepreneurs ensemble avec moi parler gon le parole là li capable exister mais les écrits restent, les écrits demeurent. Ouais. Donc c'est ça qui fait que devine engouement pour que moi écrit ça et Dieu merci ça arrive. Ça arrive. Alors, ça te secret pour passer de zéro à zéro, est-ce que c'est des bagages ou pour l'expliquer dans le livre ça qui basé sur expérience la vie puisque tout homme intelligent et qui ont certaine expérience de la vie qui a expliqué certaines choses en fonction d'une réalité, parce que la réalité d'un petit Haïtien n'est pas celle d'un petit Français, mm-hmm. toi-même tu sais. Donc, je vous dis, cet secret, ça, est-ce que ce n'est pas cet secret pour des petits Haïtiens, pas pour des petits Français? Non, c'est pas. La conception pour que nous mettions en valeur, c'est la conception qui est liée à la valeur. Ouais. Ok, notion de valeur, moi, son notion que même sur internet là, ok, monde mal comprendre ni. Y a des monde par exemple qui t'a cru que justement c'est couleur chemise ou mettez, c'est marque chemise, c'est marque machine ou gain qui fait qu'on gagne valeur. Non, parce que livre ça me dit révélation de cet entrepreneur à succès. C'est pas cette couleur monde, c'est pas cette nationalité, mais c'est cette valeur. Valeur. Ok, monde qui connaît valeur et qui gagne des qualités qui gagne la carrière pas ça exactement parce que dans le livre ça moi gagne par exemple Betty Fosta, madame Betty Fosta, donc ils sont guadeloupéennes, donc sont noirs mais ils sont guadeloupéennes qui a évolué en Guadeloupe, donc les PDG de IPOS e-solution. Donc justement c'est li pas Haïti. Mm-hmm. OK, li pas Haïti, mais justement si un jeune haïtien voulait suivre en quelque sorte ça qu'il bail comme conseil, soit qu'il bail comme méthode, comme conseil, comme recommandation, OK, mm-hmm. il est capable d'arriver au bon port. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc justement, il n'est pas question d'une conception figée. Donc mais c'est
application de ensemble de valeurs qui va permettre que non seulement ou en France ou en Angleterre ou aux États-Unis juste mettre qualité ça en don et puis ou capable faire impact chaque jour plus. Alors secret de pour passer de zéro à zéro et dans lunette réalité haïtienne aux jeunes pour bail conseil pour mon arriver dans niveau ça. Est-ce qu'on pas l'impression ou qu'a un peu immature bah, ou bien n'est pas apprécié juste ou méconnu mais pas apprécié à juste valeur parce que regarde moi son jeune à peine 24 ans même si on pense qu'on parcours qui brillant. Oui justement il y a une bagaille que tout le monde qui a regardé mission de connaît première valeur c'est que baite tout. OK et je pense que simple baite tête moins valeur. Je suis âgé de 24 ans, mon sac Olivier va accepter que me projeter comme valeur. Tu vois? Donc ce sont les valeurs qui connaissent. Alors, les valeurs. Quelque part, cette secret ça au camper parce que on est inspiré une question qui est très importante. C'est en observation sur des personnes réussies ou quoi ça c'est oui. Ou puiser de yo. Puiser de yo, OK? Entendre yo. OK. OK? Ou parler avec eux même ou observer avec yo. Observer et parler. M'observer yo, m'parler ensemble avec eux, m'rencontrer yo et puis l'aime fin tande yo c'est pas sous place mes critiques là j'ai passé des nuits pour me tander pour me reproduire OK pour que ça mon n'a pas lié li capable non seulement arriver sous li facile et de plus li comprendre ni parce que y a un travail que livre l'a fait c'est il faut compter tout ça veut dire c'est pas ken li m'va l'implanter ni dit pas dire ta Dieu m'va l'implanter dans où c'est tu es guiwewe donc ou gon potentialité ou fin li livre là ou pas faire plus effort OK dans domaine où y a. Ouais. Mais c'est pas les livres là le quoi. Donc il y a des caractéristiques, des caractéristiques qu'on n'a pas dominé, qu'on pas conscient de. Pas identifié. Et pas identifié, mais on va le rêver. Exactement. Yes. La KO et puis ça on va l'utiliser à bon escient pour vous-même, vous êtes beaucoup plus efficace et dans le domaine où vraiment intéressant. Ça c'est premier livre écrit. Oui. Et là sous photo nous avons plusieurs monde, nous avons Jerry Tardieu, il y a plusieurs monde. Il y a Patrice Bayard. Patrice Bayard. De Access Haïti. Donc c'est sept secrets. Chaque personnalité ça yo en vertu de temps dès que me tendez yo yo révélé le bagage. OK? Donc on capable identifier que la première personne c'est Gilbert Gonzalez. Donc il est vice-président du groupe Rebo. OK? Il est vice-président du groupe Rebo en lycée président des produits des îles SA et puis gagne justement madame Mimos Félix. Madame Mimosa Félix, c'est PDG Villa Mimosa Hotel. Donc, c'est Torbeck. Il était ex-ministre. Il était ministre. Donc, il y a Jerry Tardieu. Donc, oui, il est dans le domaine politique. Mais il y a une bagaille que je suis capable de certifier. On parlait de parcours de Jerry. On m'a même notifié que il était député. Pourquoi ça me fait ça? Parce que, après que. Livre-là a un rapport avec motivation personnelle, même pas tellement montrer comme politologue. Parce que il y a des gens qui vont dire, monsieur, c'est un bail politique à régler. Non, ça hors de politique. Donc, nous-mêmes, nous avons une mentalité ça trop. Donc, on ne pas même certifier ça. Donc, il y a Madame Betty Fosta, on se parlait de tout à l'heure, Kifot Baron. Kifot Baron, c'est PDG de Saniclin, qui a évolué sous Delma. Donc, il a passé justement 17 ans aux États-Unis. Et puis, par rapport avec parcours, lui, il partage un message qui vraiment capable de stimuler les jeunes. Et gagne madame docteur Maria Chebaptiste qui c'est vice-président chambre commerce Texas. Donc ils sont haïtiennes d'origine. OK, mais elle a évolué aux États-Unis. Il y a Patrice Bayard de Access Haïti, de Télé Haïti. Donc ce sont justement cette tête, cette valeur qui ont posté justement parce qu'ils partageaient des bagailles. Mais quelque part, et tout le monde ça, nous, dans les affaires, pourquoi pas un musicien? Non, ou pour avocat de secteur là. Peut-être que tu as raison. Bien sûr. mais même parce que son erreur, on a juste souhaité que. On a juste souhaité que. Tom Dea, donc mettez d'autres champs de parce que je pense que c'est un entrepreneur. Parce qu'il entreprendre dans le domaine. Bien sûr. Alors, qu'il est vraiment intéressant et parcours, moi, vraiment, ma vie, je ne fais pas parcours. Donc, malheureusement.
Nous avons même fait un coup d'un coup. Oui, vraiment. Et c'est à féliciter. Mais je suis doublement fier parce que non seulement moi, les jeunes garçons sont en cours dans le pays, et qui permettent moins tout, extérioriser certaines capacités là quand même, parce que c'est Maraval à tout le monde dans l'émission. Son émission m'a fait, donc Maraval m'oblige à accommoder, m'oblige à adapter. Mais les jeunes d'un cours rarement comme ça, qui a fait des bails comme ça, non seulement ou à le pousser moins, dans la limite moins, pour mal garder, fouiller, ça me déconne tout. yes. Mais aussi, il y a l'espoir que y a des jeunes garçons sérieux, qui pensent, qui toujours intéressés à la question, aux choses de l'esprit. Oui. Est-ce que vous comprenez ça, Abdoula? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, deuxième barème d'Abdou qui fait me fier, c'est qu'on saute Nord-Ouest. Merci. Alors, livre ça, Ken Le Jean-Baptiste, il est disponible qui côté? 26 tu après le fait. Certes, mais quand on regarde là, online aux États-Unis, probablement qu'il n'a pas fait déplacement. Parlez-nous de 26 signatures là, mais aussi parlez-nous de disponibilité si un monde a besoin d'acheter livre ça. Et justement, elle m'a fait grande première sur place parce que je participé dans le livre en folie, j'étais en dédicace. Et m'a fait justement et grande première là, El Rancho, dans l'hôtel El Rancho Pétionville, le 22 août. Le 22 août, m'a fait grande première là, c'est de 1h à 6h. Ça veut dire que ça, c'est pas mon avenir depuis 1h de visite là, non. C'est-à-dire que c'est donc on marche, on vient, au passé. Et surtout, nous connaissons le coronavirus, donc chaque monde a gagné pour mettre des cash. Il va être disponible de 1h jusqu'à 6h. Ouais. Et donc, pour disponibilité livre-là, si on ne pas dans la date ça, 22 ou pas disponible, qui ça pour samedi, justement, il est capable de pas aller dans j'imagine, Pétionville, de Deschamps, j'imagine. Il est capable de joindre tout dans Henri Deschamps. Henri Deschamps qui est sous route de l'aéroport. Donc, il est capable de joindre le livre là. Le titre, c'est 7 secrets pour passer de zéro à héros, révélation de cet entrepreneur à succès. Très bien. Combien on est supposé gagner pour procurer de livre ça? Combien? Justement, le 22, le prix global, c'est 1000 goudes. Mais si on est étudiant, donc, vous êtes capable de gagner 750 gouttes dans le livre. 750 gouttes. Donc, c'est par rapport avec le support OIF. Vous connaissez OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. La support est jeunesse. Donc, justement, depuis ces jeunesses, il faut qu'on adresse. Donc, quelque part, si vous ne pouvez pas payer 1000 gouttes comme étudiant, c'est parce que vous avez un monde qui paye pour. Exactement. Non, il y a exactement. Voilà, quand même comme ça. Non, mais OIF fait le bout. Baby, c'est la supporter. Vous avez dit plus sous jeune minachetel, plus. La bon. Yes. En tout cas, intéressant. Merci, Kenley. Je pense que vous avez édifié. Est-ce que par conversion online pour le non, pourquoi? Donc, pour que justement, vous êtes capable de connecter avec Pazmoin, okay. Ken Lisa Baptiste sur Facebook. Et puis, depuis qu'il y a une autre éventualité, donc il y a un connaît. Ken, merci. Donc, rappelez-moi le rendez-vous. Et puis. Donc, le rendez-vous, c'est le 22 août à l'hôtel El Rancho à Pétionville. Donc, c'est 20 signatures, 7 secrets pour passer de zéro à héros de Ken Lisa Baptiste. Donc, m'a disponible depuis sorti 1h jusqu'à 6h. Très bien. Merci Kenley, merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Donc, nous espérons vous passer supporter Kenley Jean-Baptiste, jeune garçon de 25 ans, très bientôt, qui vraiment un parcours intéressant. Donc, nous attendons ou même pour tes supports par là. C'est un plaisir. À la prochaine. Merci Kenley. Merci Guy. Merci.